Bonjour à tous, c'est la main de Ken Bogard. Bienvenue et de retour dans Il est pas chahi. Ah ouais. Ah ouais. Bien, deuxième partie d'Il est pas chahi. On est là, on est re. C'est moi où il n'y a pas eu de pub. Ouais, j'ai oublié. Mais c'est de ma faute, je suis arrivé en retard. Pas grave, je vous mets de la pub juste après. Je me transforme en Monsieur Mime, je crois, ouais. Je vous mets la pub plus tard. Je vous mets la pub pendant l'émission, nos nouveaux concepts. Je vous mets la pub durant Il est pas shiny. Je pense que c'est le mieux qu'on a à faire. Et on est à 207 Pokéfions. Donc on a appris des choses, hein. On a appris des choses incroyables dans cette première partie. On a appris comment est-ce qu'on disait fétichiste des mains en langage un peu scientifique. C'est vraiment fou. Je coupe mon son pour rien. Bah oui, bah évidemment. C'est le nouveau concept de pub. J'avais dit que je me désapais pendant la pub, je me désapais. En fait, je crève de chaud ici, mine de rien. Ah merde, faut que je me grouille. Vite. Niveau 30 et tout. Impeccable. Ah. Avec le t-shirt du swag. T-shirt garanti. Absolument garanti. Et ce hashtag les pas chenilles fou. Et les mecs qui l'ont. Oh, 27 rencontres et de chenilles qui tombent. Tain, ils ont tellement de chance. Il y en a certains qui ont tellement de chance, j'en ai marre. Pas de chance, moi, pas énormément de chance avec le Navidex, hein, de manière générale. Non, j'ai le même t-shirt qu'hier. Je l'ai bien aimé, en fait, hier, je l'ai mis que l'après-midi. Et comme on a bien aéré, j'ai pas du tout transpiré, donc le t-shirt, tu t'es pas sale. Par contre, là, ouais, je devrais en changer. Mais le t-shirt, il est neuf de chez neuf, donc c'est cool. Mais c'est moi qui fais mon t-shirt, je l'aime bien. Sauf que c'est pas comme si vous avez à me supporter. Le t-shirt, il est sympa, non? Regardez. Bah oui, c'est le t-shirt que j'ai mis hier. Et oui. Trop cool, non? Balance le challenge à 17h. Restez avec nous. Le challenge, c'est à 17h. Pour les inscriptions pour le tournoi, donc je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, menteur, ça pue d'ici. Mais je suis pas crade. Vous êtes fous, quoi. Oh, genre, Tico, tu changes de Jellaba tous les jours. Fous-toi de ma gueule. Viens pas me dire que tu mets pas la même Jellaba. Est-ce que j'ai des auréoles? Bah oui, là, j'ai les auréoles aujourd'hui. Je te dis, aujourd'hui, j'ai transpiré. Hier, j'ai pas transpiré. Hier, j'étais bien. Mais là, aujourd'hui, ça y est, je suis dans la cave de Gaming Live. Donc, évidemment, je transpire. Non, ah putain, j'ai fait un vieux pas en changeant de direction. Bon, allez, bah là, j'ai cassé ma chaîne. Faut tout recommencer. C'est pas grave, hein. J'ai le même nombre de chances d'avoir un shiny. Le truc chiant, c'est juste que je vais... ça va me faire perdre du temps, en fait. Mais je lui ai déjà montré à Karaté le t-shirt. Bonoblo qui dit tu transpirais quand tu montais ton PC, espèce de dégueulasse. En plus, t'as même pas étendu le linge et t'as pas mangé les brochettes périmées. Et en plus, t'es un PCiste maintenant. Nous te méprisons. Je suis désolé. Rassurez-vous, hein, je joue encore plus à la Wii U qu'à n'importe quel jeu sur PC. Hein. Je tiens à vous rassurer. Arrêtez. Mais arrêtez! Une fois que je suis retiré de 4h d'Il est pas chani, enfin 3h30 puisque j'ai réussi à vous loot une demi-heure quand même, là où je suis très fort, ouais là je vais puer la merde. Non là, là par contre faudra pas m'approcher. Moi c'est vrai que je sens un peu mauvais. Bah c'est physique hein, mine de rien, Il est pas chani. Hein. C'est vraiment physique. Et en fait c'est surtout cette cave.
J'ai hâte de voir si dans le parking de Webedia, là où il y a les fonds verts, eh bien... j'aurai aussi chaud. Bah j'ai kiffé le t-shirt, je voulais le remettre pour il est pas shiny, putain. Le mec, il faut qu'il justifie parce qu'il a mis le même t-shirt 2 jours de suite. Ah regardez, le béret par exemple, lui je le change quasiment jamais, hein. Le béret il pue du fion. Tu sens le béret, ça pue du fion. Je peux vous assurer que le béret ça pue du fion. Le vrai truc qui pue du fion, c'est le béret, en vérité. Le t-shirt, lui, est 100% safe, il sent le neuf. Il sent le neuf. J'ai l'impression de l'avoir déballé. Mes deux ventilos sous mes bras. Ah ouais, mais c'est chaud ici. C'est chaud. 212 et le 213e. Ah, il y a le 222e qui arrive bientôt. J'aime pas ça. 250 débutants, pas de shiny, bah ouais, c'est l'histoire de la vie. Mais là, j'ai bon espoir pour cette session d'Il est pas shiny. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de shiny dans Il est pas shiny. Trop longtemps. Et je pense que le karma est en train de s'inverser. Je le sens en ce moment. Là, j'étais vraiment au bout du slip vendredi dernier. Là, aujourd'hui, je m'étonne à parler de Pokémon dans l'émission. Je sens que le karma va s'intégrer. Et va s'inverser, pardon. J'ai failli rendre mon yaourt avec cette histoire de béret. Bah oui. Ah le béret, non, le béret, je vous avoue, le béret c'est crade. Mais là c'est crade. Ah le béret, franchement le béret. Au bout de 2 ans d'utilisation, les bérets, presque tous les jours. Je vous dis la vérité parce que c'est une émission à cœur ouvert, il est pas shiny. Je les remets plus. Et je déconseille à des mecs de les mettre juste pour se marrer, tu vois. Ah, franchement. Ils ont vécu. Mais ça se lave. Je les lave de temps en temps, hein, quand même. Ça se lave, hein, Béret. Ça se lave. Hein. Ouais, je change le béret, mon béret tous les 2 ans environ, non? C'est pas ça? Un an, je sais plus. Combien j'ai de bérets? Je crois 3 si je dis pas de bêtises. 3 Depuis que je suis à Gaming Live, j'ai eu 2 bérets. J'avais mon ancien, le béret historique. Et après j'en ai d'autres que j'en ai perdu. En tout, dans ma vie, j'ai eu 6 ou 7 bérets. Mais ceux qui... Les bérets connus en tant que Ken Bogard, il y en a que 3, je crois. Il me semble qu'il n'y en a que 3. En plus, ça dit 20 bérets d'une guest. Diront... diront les fans de Mr. Timothée. Mais ouais. Il y a le Old Beret, bien sûr. Il y a le Old Beret qui me sert à faire les tirages au sort aujourd'hui. Il y a le New Beret, la version super. Et ça. Beret, ça sert à s'identifier. C'est comme MV et son bonnet. Non, MV et son bonnet, ça n'a rien à voir. MV met le bonnet parce qu'il kiffe, parce que c'est un cadeau. J'aimerais bien avoir votre chance et rencontrer moi aussi des shiny en 10 rencontres, et c'est pas trop le cas. Oui, il faut que je cumule oui, je sais. Il faut que je me coupe les cheveux sur la nuque, c'est moche, voilà, ça fait... Ça fait année 90, c'est horrible, on sait, blablabla. Vous en faites pas, je me soigne. Mais je déteste les coiffeurs. Je déteste les coiffeurs, je déteste vraiment les coiffeurs. Je déteste ça.
Je déteste me faire coiffer. Je déteste me faire tripoter et malaxer le cuir chevelu pendant qu'on me raconte sa life par derrière, tu vois. En gros, j'aime pas me faire tripoter par derrière, c'est pas trop mon kiff. Je suppose que c'est pas le kiff de grand monde. Donc je vais assez peu chez le coiffeur. Contrairement à Trunks, il va chez le coiffeur toutes les deux semaines pour se refaire sa petite coupe comme il en a envie. Trunks, c'est un homme coquet. Un homme très coquet. J'ai entendu un yo. On approche des 220. Je suis un petit vieux aigri. Je sais pas si j'ai un petit vieux aigri. Non, mais j'ai mes trucs, c'est... J'aime pas ça, c'est tout. J'aime pas les coiffeurs depuis le 1. Moi, je suis un mec... J'avais les cheveux longs à l'époque, hein, je vous rappelle. Hein. Vous avez bien vu ma photo de... Vous avez bien vu ma photo de... De permis. J'avais les cheveux longs. GG pour le pois chison, Dimitri. GL Trunks, l'homme coquet. Voilà, c'est ça, l'homme coquet. Allez, on y croit. Faut vraiment que je l'obtienne. Hein. Je vais tout faire pour. Ce débugant me réglerait quand même Tignon et Kikli. Hein. Il est important ce débugant, il vaut des points. Est-ce que Mizu peut me couper les cheveux? Elle a jamais voulu. Bah, moi je lui dis, moi j'en ai tellement rien à foutre, je vais me les couper moi-même. Hein. Tu sais, j'ai une tondeuse, j'ai qu'à me tondre et puis voilà. Mais elle veut pas. Elle veut pas. Non, 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 faire ça par un coiffeur, machin. Petit puis propre, etc. Donc voilà. Et la sensation que t'as en sortant de chez le coiffeur, elle est agréable, hein. Mais... Ouais, c'est ça, je dois être un petit vieux. En plus, Tignon et Kikli sont verts, c'est vrai. Tout à fait. Et lui, il a le short bleu, là, débugant. Oh là là. On voit qu'il y a un shiny qui est bleu. Bah, karaté, lui, il se rase la tête, il cherche même pas à comprendre, tu vois, ça lui fait des économies. Non, Pokémon pour deux, c'est pas de la triche, puisque je peux les cloner dans XY, les Pokémon, donc... J'utilise la technique clonage, je vous ai déjà expliqué comment je fonctionnais. J'ai un Pokémon, je les clone avec la technique du clonage. Ensuite, je les fais évoluer, voilà. Après, c'est juste du temps supplémentaire pour les avoir. Mais c'est un temps qui est pas nécessaire, ce qui est intéressant, c'est la chasse. Eh ouais, je suis qu'un vieux. Mais ça, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arrête de me bluffer. Bluffeur, arrête de bluffer. Bra, meurs. Ouais, merci. Non, mais je garde débugant, comme ça me fera un début de 2G. C'est option select, la 1G et la 2G, en faisant comme ça, c'est cool. Avoir les premières évolutions. Bra. Parce que vous voyez, si je me fais chier à attraper l'Ipoutou, et que en fait, je dois rattraper l'Ipouti à la saison 4, lorsque je ferai la 2G, on n'est pas arrivé, tu vois. Autant option select les deux, ça me fait gagner du temps. Sachant que les légendaires vont déjà être assez chiants comme ça à capturer. J'espère qu'il y aura des distributions toutes faites de shiny. Comme ça, ce sera fait. Est-ce que tu aurais aimé que Mizu ait des cheveux dégueulasses et qu'elle les coupe toute seule?
Non. Mais j'ai pas les cheveux dégueulasses, hein, Bonoblo. J'ai des très beaux cheveux. J'ai des très beaux cheveux. J'ai un grain de cheveux qui est absolument parfait, doux et soyeux. Ah ouais. Mes cheveux sont très beaux. C'est pas 222, non, pas encore. J'espère en tout cas que je l'ai pas vu. Si ça l'est, c'est très bien. Ah, il y a un béret Pokémon, il est trop stylé. 222! Aïe, 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 vite, 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 non! Vite, non! Je veux pas 222, je veux pas, non! Voilà. C'est bon, mon gars, c'est bon! 223. La malédiction est brisée et il n'y a toujours pas de chaîne. Non, il y a plein de photos de moi sans béret. Il y en a plein. Ça va. C'est pas un secret d'état. Je suis déjà bien assez impudique comme ça en stream. Le stream, c'est... Le stream, c'est l'impudeur pure, quoi. C'est très impudique de base. Mmh. Et du coup, excusez-moi si je garde quand même une partie d'un... Et dire aux gens, viens dès à la War Game Cup, c'était cool. Ça m'avait l'occasion de parler pas mal avec Julien à cette époque-là. Go! Je devrais lancer ma marque de béret. Oh non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas pour moi ces trucs, ça. Ah! Putain, il est jamais shiny ce sale Pokémon là. Bah voyons. Allez, level 30, Mac Punch, Esprit Vital. Celui-là, il peut être bon, hein. Ça peut être sympa, hein, s'il a... S'il est shiny. Allez ! Oh là là. Rah, je suis saoulé. La Bogardite. La Bogardite plutôt. La Ken Bogardite. Ma méga gemme. Mais ça me rend pas craqué pour autant la méga gemme. Alors on me demande si le PC tourne. Ouais, le PC tourne du tonnerre. J'ai la NX avant qu'elle sorte. C'est cool. Il ressemble trop à un blanc sans béret. Mais non. Il ressemble même avec un blanc avec béret. Béret, c'est un truc de blanc aussi, qu'est-ce que vous racontez? N'importe quoi. Grand-père. Le grand-père de mon grand-père portait déjà des bérets et des casquettes comme ça. Donc c'est la base. Il faut tellement qu'il soit shiny. J'ai pas envie de poursuivre au moment où je lancerai l'ouverture des inscriptions pour le tournoi. Il est pas shiny sur ce Pokémon de merde. Ça me ferait vraiment chier. Allez, brille, brille, brille. Là, j'en ai vraiment envie en fait. Ouais, le shiny fait perdre du temps, mais c'est stylé.
un peu de style quand même. Laissez Mort en Poule s'exprimer. On va pas mettre Mort en Poule dans une boîte et la laisser comme ça à l'abandon toute sa vie juste parce qu'elle brille et que ça fait perdre du temps dans l'émission. Foutez-moi la paix. Ça va, j'ai désactivé les animations de combat. Il y a tellement de trucs qui font perdre du temps de toute façon à chaque combat. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tous ces Pokémon désingués. Mort en Poule, qu'est-ce que c'était? Bah oui, évidemment. Évidemment, Mort en Poule, le pauvre Mort en Poule. Eh bien, Demi-Molle a été recapturé, hein, Demi-Molle, hein. Demi-Molle est de retour, les amis. Demi-Molle est là. Hein. J'ai réussi au prix de ma vie... à attraper Demi-Molle. Est-ce que c'est le dernier shiny que j'ai obtenu d'ailleurs? C'est sûrement ça. Oui, c'est sûrement ça. Parce que je n'ai toujours pas eu le Scarabrut Masuda. Ce qui fait vraiment un peu chiant. Surtout pas fuir. Allez mon gars, allez, 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 allez. Vas-y, vas-y, brille, brille. Putain. Je refais la même mission que la semaine dernière, le Morandinisme en moins, quoi. Ça m'énerve. Quel sera l'invité aujourd'hui dans les pages Shiny? Bah écoutez, on recevra peut-être Skeleton et Carole Cool. Qui sont en effet, eh bien, de passage dans les locaux de Gaming Live. Pour, eh bien, la soirée speedrun Resident Evil. Qui aura lieu à 19h30. Ah! Sur Gaming Live. Et ouais. Mais ça, ce sera en fin de partie d'émission, je pense. Nœud d'herbe. Ça veut rien dire, je tue des débugants avec nœud d'herbe. Oh là là. Normalement, dans ces eaux-là, ça apparaît. Hein. Dans ces eaux-là, il y a un shiny. Hein. Imaginez 232 rencontres. Ça se trouve, j'ai même pas fait la moitié du chemin. Et le FIFA Joe est de retour, ouais. À 19h, il y a le FIFA Show aussi. Allez! Oh là, ça me saoule. Louis, c'est un peu le shiny de cette émission, c'est ça. Ça, peut-être qu'on aura la chance d'avoir Louise. Elle nous parlera du fait que l'émission de l'année dernière l'a décomplexée. Vous avez redonné confiance en Louise, hein, l'année dernière, la semaine dernière, sachez-le. Louise est maintenant devenue une femme totalement sûre d'elle et accomplie. Accomplie. Et dangereuse. Va-t-il briller à 236? Non. Coucou Miko. Non, ça brille pas, ça brille clairement pas. Et ça fait bien chier. Allez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
235, hein. Je pense que vous pouvez commencer. Bien. Ta-t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 a
241, j'y crois toujours, sachant qu'il est bientôt 17h et que nous allons bientôt faire la pause pub et donc bientôt ouvrir les inscriptions pour le challenge. Pensez bien à vous connecter sur le cheat challenge.com comme indiqué dans le Google Doc que Tico vous transmet actuellement sur le chat. Pensez bien à créer votre compte Twitter si vous n'en avez pas. Et à suivre Tico avant de vous inscrire. Le bracket sera chefflé. Il y a 128 places de disponibles. Suivez bien les instructions pour savoir comment vous inscrire. Il faut mettre bien votre Nintendo Network, mais aussi votre ID à l'intérieur du jeu. Votre code ami. Ah, il faut que j'essaye de faire télécharger une vidéo YouTube à... Télécharge VDownloader Appentaro. Ok, donc lui il est pas chaîné, il m'intéresse pas. 328 rencontres, on dit, hein. Ah, c'est ce débutant, il me le faut. Il me le faut, je l'ai tellement désiré. Il me le faut absolument. Il me le faut. Ouais. Go, mon gars. 243. Alors, je le sens bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Casse corporate. Au bout du slip. Au bout du slip. Ok. Allez, allez, tu le fais. 244, c'est la bonne. Oh là là. Ah, Chocobo Tiger, t'es pas au Japon, Chocobo, là, en ce moment? T'es au Japon, quelle heure il est? Qu'est-ce que tu fais de... debout à cette heure-ci devant Internet? Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Il est plus quoi, plus 8? Il est 1h du mat au Japon, là, non? Quelle heure est-il à Tokyo? Je répète, quelle heure est-il à Tokyo? Ah bah Babtross lui aussi. Minuit à Tokyo, d'accord, plus 7. Il est minuit à Tokyo, il est minuit à Tokyo. Eh ben, minuit à Tokyo veut dire que c'est la pause pub. Il est minuit à Tokyo, les mecs, c'est l'heure de la pub, c'est évident. Tout le monde sait que minuit à Tokyo égale heure de la pub. Est-ce que j'ai dosé un peu révélateur? Est-ce qu'il a dosé révélateur? Bah oui, Chocobo il a dosé révélateur. Évidemment. Bah oui, c'est l'heure d'été, c'est plus 7 et pas plus 8. On est baisé. On est baisé. Ah, il n'y a pas un shiny. Allez, dernière tentative. Ensuite, pub. Comme ça, je vais amicalement me soulager. Et je reviens encore plus fringant. Et on ouvre, non pas le raffle, mais les inscriptions avec le challenge. Tico est prêt pour vous passer le challenge. Le challenge du challenge. Donc, inscrivez-vous bien. Inscrivez-vous bien. Il est pas shiny. Sa maman. Ah oui, il fait bibi bibi. Ça m'énerve quand il fait bibi. Je vais le tuer plutôt. Laser glace. J'aime pas quand il fait bibi 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 comme ça. Je déteste les bibi 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 bibi. Il est minuit 1. Mes mains sont toujours là.
elle vous accompagne dans cet épisode de Divé pas Shiny. Profitez bien du voyage. Tenez-vous prêt à rentrer vos informations sur le lien que nous allons vous passer. Lave-toi les mains après de gros dégueulasse de PCiste. L'inscription au tournoi Il est pas Shiny numéro 8. Le premier tournoi de la rentrée 2015. C'est juste après la pause. A tout de suite. Try to treat me like greater than post me impossible. I cut a sucker in small chunks, make more rhymes than Michael Jordan makes slams. Let's go.